Nous sommes une entreprise qui fabrique des scellants, des enduits, des membranes liquides et également des attaches métalliques spécialisées et les équipements pour les poser. Notre modèle d'affaires, notre stratégie d'affaires est axée sur la proximité et la customisation des produits. Nous avons plus d'un millier de produits et des milliers de clients. Nos ambitions de bien servir ne pouvaient pas ne pas inclure une transformation numérique de l'organisation. Ça n'a pas été long qu'on avait un réseau, on connectait nos employés sur un réseau. Et puis, on parle des années 80. Les années 90, on a développé une plateforme intranet, Internet, à partir d'une plateforme peut-être qui ne vous dit rien, mais Lotus Note Domino. On connectait dans ce temps-là à travers des modems avec des vitesses très lentes, et puis mais des modems en série. Fait que numériser l'entreprise, ça fait partie de notre ADN. Dans les derniers 12 à 24 mois, un des gros projets a été la mise en place et l'optimisation d'un système MES. Notre ligne de production silicone est reliée à un système qui envoie des instructions aux machines et nous connectons également de l'information de nos machines. Nous sommes présentement à développer le côté analytique. Nous ne voulons pas juste suivre superviser les tâches. Nous voulons créer une intelligence. Nous voulons être en mesure de résoudre des problèmes complexes et prendre des décisions à partir d'informations prédictives. La transformation numérique, évidemment, on essaie d'éliminer les tâches manuelles. La raison pourquoi on veut éliminer les tâches manuelles, c'est d'être capable de donner tout le temps à nos employés pour créer de la valeur ajoutée. L'objectif chez ADFAS du 4.0, c'est d'être en mesure de permettre à tout notre monde d'utiliser leur potentiel humain et non d'être résumé à un numéro, à une tâche simpliste. Les plus grands défis dans une transformation 4.0, c'est adopter et accepter le changement constant, se réinventer constamment, donc encore une fois sortir des schémas classiques, comprendre qu'est-ce que la collaboration apporte à un projet, apporte à un sujet, apporte à une décision ou permet une décision. Donc clairement, le changement numéro un, c'est l'adaptation.